Je m'appelle Sarah, j'ai 15 ans, je fais 1m65. Je suis sénégalaise pour ma mère et martiniquaise pour mon père. Depuis que je suis née, j'habite à Corbeil-Essonnes, au Tarteret. Et je suis née à Évry, le 1er décembre 2004, à 2h25. Seule avec ma mère depuis que j'ai 2 ans. On a souvent voyagé, on est allé en Tunisie, au Sénégal, voir la famille, en Grèce, au Maroc, etc. L'année de mes 11 ans, je suis partie pendant un mois au Sénégal dans la famille. Parfois, quand j'étais petite, on allait souvent à Draveil aussi, dans un endroit où il y avait des manèges. J'aimais bien. Je ne savais pas qu'elle était malade, je ne m'en rendais pas compte. Parce qu'il y a 2 ans, elle a arrêté de travailler. Je crois que c'est là que j'ai compris qu'elle était malade, parce qu'elle se repose beaucoup, donc du coup, elle ne peut pas trop continuer à travailler. Quand je suis au lycée, souvent elle va chez ma grand-mère. Après le lycée, je la rejoins là-bas. Et vu que ma grand-mère aussi, elle a souvent besoin que je fasse des courses pour elle, bah du coup, je vais faire des courses pour ma mère et pour ma grand-mère. Mais souvent, j'oublie soit l'argent, soit je le perds, ou bien... je suis tête en l'air. Pour les habits avec ma mère, on n'a pas du tout les mêmes goûts, déjà. Sarah, t'es pas une dame pour t'habiller comme ça. Ce qui est difficile, c'est que parfois elle perd l'équilibre et elle tombe. Bah du coup, je dois l'aider à se relever, mais c'est aussi que je m'inquiète pour elle. Elle voudrait reprendre le travail, mais c'est compliqué parce que dans son ancien travail, il y avait des gens qui pensaient qu'elle faisait semblant. Même pour les places handicapées, ou si elle montre pas sa carte, on la croit pas. Elle devrait pas avoir à se justifier, c'est pas juste. Et comme en plus la maladie joue sur son humeur, elle le prend souvent mal, elle se met en colère et ça aggrave les choses. Là, j'étais en stage dans une crèche et certains jours j'étais vraiment vraiment fatiguée. J'oubliais des choses. Pendant que les enfants faisaient la sieste, parfois je pouvais m'endormir aussi. Si je réfléchis à ce qui pourrait simplifier la vie, déjà ce serait qu'on déménage. On n'a pas d'ascenseur et les escaliers pour ma mère c'est dur parce qu'ils sont longs et voilà. Et elle accepte pas toujours mon aide, par exemple pour porter les courses ou ses affaires. Mais si on pouvait se faire livrer les courses gratuitement, je pense qu'elle accepterait. Et plus tard, je m'imagine vivre avec ma mère, même si j'ai un amoureux et des enfants. On vivra tous ensemble parce que je peux pas la laisser.